Donc ces fameux discours. Kabir, c'est un basketteur international sénégalais qui a participé aux championnats du monde. Il a été joueur pro, pro A, pro B et N1, N2. Il met fin à sa carrière cette année. Et il y a un autre Kabir, c'est celui qu'on va appeler le Kabir associatif. Et plutôt que des mots, il y a une petite vidéo qui va vous présenter son œuvre. Sociétal positif dans l'environnement où il évolue.
comprendre aussi que être un basketteur, s'il se positionne en donnant sans rien attendre en retour, il va toujours recevoir. Et en général, quand il reçoit, ça va lui revenir augmenté. Comprendre tout ça me semble fondamental. Mes engagements au sein de l'URB, toutes les actions que l'URB met en place dans la cité réalise. Mes engagements au sein de l'association Idées que j'ai créée me permet de faire des actions à Thiès au Sénégal, mais aussi des actions dans les écoles à Nîmes-et-Villers. Et ces engagements-là m'ont permis d'être utile pour ma région d'origine et pour aussi ma région d'adoption. Et cet engagement-là, voyez-vous, m'a permis de réussir ma reconversion professionnelle. Parce qu'actuellement, je fais des conférences dans les entreprises. J'ai créé mon entreprise Arocap pour faire le lien entre les entreprises bretonnes et les entreprises sénégalaises. Et je fais ce pont-là, ce tribunal-là, pour être sûr et garantir que les valeurs bretonnes et sénégalaises puissent être respectées. Et pour terminer, permettez-moi de vous parler de l'association Yétimaï. C'est une association qui utilise le basket comme catalyseur, comme moyen, pour permettre à des milliers d'enfants de pratiquer le basket au Sénégal, d'avoir des chaussures, d'avoir des cahiers, d'avoir des crayons pour écrire. Parce que je dis que ce sont les meilleurs élèves des écoles de basket qui sont récompensés. Vous ne pouvez pas imaginer combien sont motivés ces enfants-là, non seulement à faire du basket, mais aussi à rester dans le cursus scolaire. Ça permet aussi à des enfants, milliers d'enfants, mais dans les villages les plus reculés de Thiès, de pouvoir avoir des cahiers, des crayons, de par des collectes que j'ai fait en Ille-et-Vilaine pour récupérer du matériel, permettre à des enfants d'aller à l'école, de travailler dans les bonnes conditions. Ça permet aussi à des enfants de mettre en place des potagers dans leur école parce que l'aide doit aider à ce qu'il y a l'aide. Ça permet aussi d'équiper les hôpitaux à Thiès et les dispensaires. Et tout cela, j'arrive à le faire grâce à vous les Bretons. Et aussi, ce qui me fait le plus plaisir de par ce que Yétimaï est en train de faire, c'est que ça permet à des enfants de comprendre, comme disait Félixa, que de partout, on peut soulever vers le ciel. Donc, Yétimaï a compris très tôt que le nerf de la guerre, c'est l'éducation. Sans éducation, on ne peut rien faire. Et si nous perdons ce combat, je pense que tous les autres combats sont perdus d'avance. Donc, pour finir, je ne peux pas finir sans parler de ma grand-mère qui me disait « L'école, c'est comme les toilettes. Pour avoir des résultats, il faut s'asseoir et forcer. » Permettez-moi de vous dire que le soleil continue de briller dans vos cœurs, que le soleil continue de briller sur la ville de Bretagne. Merci Michael, merci Michael, merci la ville de Bretagne et merci à tous les Bretons.